What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais de quadrille. Il y a parmi vous des artistes 3D qui ont envie de se suicider. Bonjour, bienvenue. Nouveau concept, nouvelle série, qui demandera moins de préparation, ça se voit au cadrage, qui fera moins esclandre, quoique, et qui fera beaucoup plus de vues. S'il vous plaît. Donc, le concept de cette série de vidéos est simple et pas du tout copié de collègues anglophones. Il s'agit de réaliser en 30 minutes un modèle 3D. Mais comme 30 minutes, c'est long, on part tout de suite, j'explique après, tout le monde est prêt. Donc on va sortir un petit timer. Alors, on va dans Blender. On va ajouter un plein. On va l'agrandir un petit peu. Donc la différence entre ce que je fais et ce qui a déjà été fait, c'est que ce concept va me permettre de créer un environnement en 3D que je vais utiliser pour une série de science-fiction que je vais réaliser au courant de l'année, si d'autres catastrophes n'arrivent pas entre-temps. J'ai l'air de savoir ce que je fais, mais en fait, j'ai complètement copié des tutoriels, donc... Je ne sais pas vraiment si cette vidéo est supposée être divertissant ou instructif, parce que je n'ai pas vraiment la moindre idée de ce que je fais. Et je suis pas convaincu d'être super drôle non plus. Beauté, voyons voir ce que ça fait. Si. Que je suis vraiment un très mauvais animateur. Je n'ai pas du tout expliqué ce que je faisais depuis le début, donc j'essaye de faire un environnement de science-fiction qui sera la base en fait d'une ville de science-fiction. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou ne connaissent pas mon parcours, je n'ai pas fait de 3D depuis l'âge sombre de ma puberté. Et avant ça, j'ai appliqué pour un programme de 3D. Et pour rentrer dans ce programme de 3D, il fallait faire un test de dessin. Et en dessous de 30%, il n'en est pas le résultat du test. Donc, j'attends toujours mon résultat. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est un sol dans lequel je fais des crevasses et une rivière pour pouvoir y mettre de l'eau. J'ai aucune idée de ce que je viens de faire. S'il y a parmi vous des artistes 3D qui ont envie de se suicider en voyant ma vidéo, je vous en prie, donnez-moi vos conseils et accessoirement vos insultes dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Comme mon modèle manque singulièrement de détails, je vais tout miser dans les textures. Pour l'eau, ça sera juste une texture qui émet de la lumière, donc difficile d'avoir moins de détails que ça. Et pour le sol, je vais mettre des pavés que je vais aller voler sur ce merveilleux site Texture Haven. On peut utiliser ces modèles gratuitement, on n'est même pas obligé de les créditer, mais c'est grâce à des gens merveilleux comme ça que des noobs comme moi peuvent réussir à faire des choses à peu près potables. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Ok. Ah. Ok. Ok. Là, ça a l'air un peu mieux. Ok. Alors, displacement. Ok. Ça s'en vient bien, là.
Regardez comme c'est beau. De toute beauté. Ce qui est merveilleux avec ce genre de texture, c'est qu'elles ont des fichiers avec différentes sources de lumière qui permettent de leur donner du relief en 3D. Everybody. Bon, voilà, c'est là. 15 minutes, ok, on était au vrai résultat final, vous savez, flabbergasté. Allez-en. Oh non, je fais de quadrille. Merde. Ok. On reprend. Merde. 2. C'est 4. On va faire ça. Non. Hein? Shit. Ok. Edit mode. Ok. Vas-y, on remet le truc rouge. Ici, on disait que on voulait mettre de l'herbe. Il faut qu'il sorte. Oh, Kaepernick. Wow. Non, c'était peut-être pas ça en fait. Dégueulasse. Regardez ça. Ah, ça lag. C'est dégueu. Non, pourquoi c'est pas curly? Que ce soit curly. Dégueu. Pourquoi on est juste là en plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Contrôle Z, merde. Ok. Là. Ah, si, je peux éteindre ma caméra. Oh! Bon, fait que je mets les brouillards dessus. 5 minutes, j'aurais pas dû perdre autant de temps sur l'herbe. La caméra dans Blender Pro. Oh! Remarque que ça l'est dit, ça se fait quelque chose d'intéressant. Mais. Non. J'ai pas été où ma caméra, j'ai rien accepté. On va te mettre un petit 4 mm. Ça fait un peu wide. Ça, ici, 2 minutes, ok. On va essayer de faire quelque chose on va essayer de faire quelque chose. Hein. Ok, là ce que je vais faire aussi. HDRI Heaven. On va prendre un HDRI qui va servir dans l'arrière-plan et qui va apporter en même temps des sources de lumière. Environment texture. Je sais plus comment mettre. Ah non! Dans une minute, dans une minute! Merde, j'ai pas le temps de faire ce que je vais faire. Non! C'est pas ça! Non! Ah! C'est pas ça que je vais faire! Ok, Ringer. Ouais, ben moyennement satisfait, j'ai perdu beaucoup trop de temps sur l'herbe, c'était stupide, en plus c'était un désastre. J'ai pas du tout le temps, j'ai mis comme une brume légère, mais vraiment j'ai pas du tout travaillé dessus, j'aurais voulu faire quelque chose d'un peu plus, constant, plus de détails, un peu plus réaliste. Puis au niveau du rendu, j'ai plus le temps, j'ai mis une lumière vite quelque part. J'aurais voulu mettre un objet ou un personnage pour mettre du relief et puis vraiment... prendre un peu plus de temps pour que le rendu ait l'air plus réaliste, mais en même temps c'était juste un 30 minutes, donc pour ceux qui connaissent, c'était comme un micro kino. Le plan avec cette série donc, c'est de continuer à travailler sur cet environnement et à chaque épisode de faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau en 30 minutes, mais qui va se rajouter à cet environnement afin de finir à la fin avec un environnement 3D potable pour ma série de science-fiction que je veux réaliser. Si une nouvelle catastrophe ne nous tombe pas sur la tête cette année. Donc, dans le prochain épisode, je vais créer des petites lunes ou des astres, peu importe, pour le ciel de notre planète. Et en attendant, je vais essayer de le retravailler un peu pour le rendre plus potable. Donc, voilà, si vous avez des conseils, des suggestions, des insultes, n'hésitez pas dans les commentaires. Et aussi, si cet exercice de faire des modèles 3D en 30 minutes vous intéresse, j'en ai quelques-uns sur mon Instagram. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook. Abonnez-vous.